Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Est-ce que tout va bien, mon petit Sterling? Mais comment ça va, Cooper? As-tu passé une bonne matinée? J'ai passé une bonne matinée, j'étais en train de manger des petits Kit Kat qui me restaient en poche. Oh, dis donc, c'est un petit régal. Oui, c'est un régal, on se régale, tu te régales, je me régale, on se régale. Nous nous régalâtes. Allez, viens. Alors, que va nous annoncer cette grande journée, mon cher Cooper? Écoute, cette grande journée dans cette ville, beaucoup de choses à mon avis, mon petit Sterling. Oui, j'imagine. Tu vois, tu m'as niqué, frère. Et comment va ta nièce? Sûrement morte, Sterling. Sûrement morte. Ah oui. C'est vrai qu'on arrive à un point quand même. Un point de non-retour, Sterling. Je peux comprendre. C'est bon, je te nique. Vas-y, monte. Je rentre dans la voiture. En deux temps, Cooper. Oui, toujours en deux temps. Toujours en deux temps. Monsieur les avocats, là, il y a une bavure en cours, là. Monsieur les avocats. Alors, attendez, on intervient. Wow. Que se passe-t-il? Nous sommes avocats, nous connaissons la loi, messieurs. Nous sommes avocats, nous connaissons la loi. Monsieur les avocats, on n'est pas interférés pendant l'arrestation, ils interféront après. Allez-y, messieurs les avocats, on roule. Je n'ai pas de quoi rouler, j'ai juste de commande. Pas de trottinette. Allez, messieurs, on n'a ni roller, ni trottinette, ni patate. On regarde, monsieur, on regarde l'interpellation. Restez pas tous autour, s'il vous plaît. Ah mais c'est Ricky Spanish. C'est un gros bandit bien recherché donc. Oui j'ai compris mes droits oui. Et je demande un avocat. Demandez-en deux. C'est vous l'avocat monsieur Spanish? Écartez-vous et je suis au casse. Et bah rendez-vous au poste. Rendez-vous directement au poste. Comme ça vous êtes direct là. Nous arrivons. Comment ça pas eux monsieur? Comment ça pas eux monsieur? Est-ce qu'il l'a chopé? Bavure. Motif de l'arrestation c'est mandat d'arrêt hein. Mais on a retenu. On a remonté dans votre véhicule et on se rejoint au poste, ça vous va? Oui on arrive. Il te parle très près de la bouche Cooper, t'as vu? Oh yes, je suis trop content que ce soit vous qui venez. Pourquoi vous êtes content monsieur? Parce que tout à l'heure j'ai dit ah non pas vous, du coup c'est pour compenser. Ils sont incroyables. Allez, on se rejoint là-bas. Mais monsieur vous êtes pas avocat vous? Oui on est avocat mais on n'est pas militaire monsieur. On peut pas intervenir comme ça. Non, mais vous aurez pu rien faire là? Ah non, on va au commissariat et on va faire, monsieur. Nous connaissons la loi, on m'a vanté vos mérites, on m'a dit vous étiez les meilleurs avocats de la ville, vous avez raté aucun jugement, c'est vrai? Exactement. Ça, c'est vrai. Oui, ça, comment votre numéro ou pas, monsieur? Parce que là, j'aimerais bien des avocats comme Sterling, ça. Sterling, donne ton numéro. Il faut payer, monsieur, il faut payer, on est très bien. Mais vous inquiétez pas, j'ai des moyens. Mais juste le numéro. Ça nous plaît, monsieur. Vous pouvez me donner votre numéro, s'il vous plaît? Sterling, il faut donner ton numéro, il a l'argent. Ah, pardon, excusez-moi. Rentrée Sterling, le 5733, monsieur. Très bien, parfait, merci, monsieur Sterling. Voilà, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonne soirée également. Qu'est-ce qu'ils font, dis donc, au véhicule? Je ne sais pas, et... Tout va bien, hein. Vous prenez l'air, messieurs, vous allez bien. Code 99, vite, code 99. Code 99, allons-y. C'est notre client, il y a notre client à l'intérieur. Tu crois qu'il y a notre client dedans? Ah oui. Sinon, pourquoi ils vont tomber? Ils seraient capables de nous tirer dessus ou pas, Sterling? Non, attention, Cooper. Tout va bien, Sterling, t'inquiète pas, je connais la loi, Sterling. Je pense qu'ils vont derrière le commissariat, non? Oui, je pense qu'ils vont derrière le commissariat. C'est bizarre un peu ce qu'ils font, non? Oui, comme ta conduite, Cooper. Oui, c'est très bizarre, oui, maintenant que tu le dis. Ils se foutent de notre gueule, peut-être, non? Oui, je pense qu'il y a une volonté de tourner en bourrique. Mais l'autre, il est tombé. Il est tombé. Ah ben voilà, ouais. Qui joue au chat tombe Père, à la chute. Sa queue. Voilà. Bon, allons au commissariat, Sterling. On va s'occuper de cette affaire. Attention, il y a des feux qui tombent dans cette ville. Hein. Deux agents fort aimables qui vont nous aider. Ah, mais si, c'est sur la porte d'étage des agents. Là. Bonjour, messieurs. Bonjour. Nous revoilà pour une nouvelle affaire pleine de rebondissements. Il est au frais, 06, ouais. Je cherchais. Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, messieurs. Oui, on vous connaît, vous inquiétez pas. Et qui est votre client Et nous connaissons la loi, monsieur. Très bien. Qui est votre client, monsieur? Qui amène au Spanish, vous venez de Spanish, vous venez Ricky Martins. Très bien. On procède actuellement à sa fouille et à sa mise en cellule et à sa lecture de droit. Et ensuite, on pourra... Mais venez, on va vous accompagner.
Bien sûr, bien sûr, mais... Allons-y, Sterling. Allons-y, Cooper. Je passe devant, Cooper. Vous me permettez. Oui, passez devant, Sterling. Je vous laisse repasser devant. Merci, Cooper. Non, mais je vous remercie, Sterling. Oui, merci, Sterling. Je vous laisse passer devant, Sterling. Merci, Cooper. Aux avocats sont là, monsieur. Oh ah, monsieur voilà. A une écharpe alors, très, très imposante. Si je peux juste me permettre deux minutes, monsieur les avocats, je vais juste demander de patienter derrière. Regarde son écharpe, je suis un petit peu titré. Oui, bien sûr, discutez, je vous en prie. On regarde Twitter. Et oui, prise d'otage sur magistrat, $600,000. C'est notre affaire, Cooper. C'est bon, j'ai fait la petite pub, il y a quelqu'un qui a besoin de nous, mon petit Sterling. Oui, est-ce que tu as vu qu'il y avait $600,000 quand même dans l'annonce? Charlie Woods. J'ai pas vu, si on retrouve Charlie Woods, on gagne $600,000. Mais tu crois qu'on va le retrouver? Nous sommes avocats au Groban, Cooper. Oui, c'est vrai. Et certainement son numéro. Nous sommes pas détectives, Sterling. Oui, mais j'ai son numéro à son Ah, Woods. On m'appelle. Oui, allô? Je vous appelle parce que j'aurais besoin d'un avocat, s'il vous plaît, c'est moi qui ai mis le tweet. Oui, nous sommes Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Vous êtes disponible? Nous sommes sur une affaire, mais n'hésitez pas à venir au commissariat et nous serons disponibles pour vous juste après. Ok, je suis déjà devant le commissariat parce que j'étais dans le bureau d'avocat, il n'y avait personne, mais je vais aller là, je vous attends. On vous tient au courant. Ouais, je suis devant, je vous attends à l'entrée. Très bien, à très vite. À tout de suite. Je suis en train d'essayer d'appeler monsieur Woods là, mais il ne répond pas. Vas-y, je te laisse appeler. Dis quoi, je suis là, mais pas. Ça va bien? Ça va très bien, et vous, monsieur? Ça va, c'est monsieur Carlos, le cher collègue de votre nièce, c'est ça? Ah oui. Note, monsieur Carlos, collègue de ma nièce. Carlos, collègue, nièce, noté, Cooper. Petite question. Oui, dites-nous. J'ai un ami qui est parti en fédéral à la vie tout à l'heure. Fédéral à la vie, et oui. C'est un complice je de sais, Carlos. Je sais, j'ai su par des intermédiaires qu'il n'a eu aucun avocat. Ah, c'est pas normal, ça, monsieur. Qu'il a eu un jugement direct. Jugement sans avocat. Note. Jugement sans avocat. Oui, c'est très grave. Monsieur Lewis Johnson. Monsieur Lewis Johnson, note Sterling. Lewis Johnson. Normalement, il y aurait dû avoir un report de jugement. Oui, il y aurait dû avoir un report de jugement, je suis d'accord, Sterling. Voilà, alors je sais pas si c'est parce qu'il est recherché pour acte terroriste, mais je pense que quoi qu'il arrive, un avocat est nécessaire. Croyez-moi, la loi est très claire. La loi est très claire sur le sujet. C'est un vice de procédure. C'est un vice de procédure terrible. Il est en cellule là? Apparemment, il est en cellule prison, fédérale. Hein. Oui, mais dans le commissariat de type Los Santos. Non, dans la prison. Type celle qui va vers Sandy Shore. D'accord, nous allons parler dans ces cas-là à quelqu'un de responsable. D'accord, très merci très beaucoup, bien. Monsieur. Rappelez-moi plus tard. Monsieur. D'accord. Oui, bonjour. Oui, du coup, monsieur Spanish est disponible, du coup, pour faire un du coup, et alors, tout à vous. Nous allons nous en occuper, mais nous avons aussi une autre affaire par la même occasion. Ah. Il paraît qu'il y a quelqu'un en fédéral qui a été sans jugement ni avocat. C'est un vice de procédure terrible, monsieur. Oui, nous demandons à ce qu'il sorte immédiatement de cette prison, monsieur. Je ne suis pas au courant. Monsieur Lewis Johnson, peut-être, c'est ça? Exactement, monsieur. Ok, je ne suis pas au courant de ce que je suis arrivé un peu tard. Je ne sais pas du tout s'il a été jugé ou pas. Je vais voir avec mon capitaine. Voilà, tout à fait, c'est exactement ce que je venez, il est juste à côté, voilà, je vais noter mon stylo. Sterling, quelqu'un nous attend à l'entrée, mais il va attendre. Eh ben, il attend. Qui n'a pas été jugé? J'arrive, messieurs, ne bougez pas. Tada. C'est ça. Allô? Oui, monsieur Cooper. Oui, c'est ça, monsieur Cooper de Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Oui, bonjour, j'ai eu votre numéro avec un homme du gouvernement. J'aurais besoin de rencontrer un avocat. Je vous écoute. Oui, où peut-on vous trouver, monsieur? Moi, je me déplace, ça, si vous avez un bureau, c'est plus simple. Écoutez, nous sommes sur une affaire au commissariat, une grosse affaire, mais je peux vous rappeler après, vous êtes disponible? Oui, tout à fait. Dans combien de temps vous pensez à peu près? Oh, bah écoutez, 20-30 minutes maximum. Oh, mais pas de problème. À très vite, monsieur. À tout de suite. En jugement, sans la présence d'un avocat. Mon et ça, c'est Sterling, très grave. Nous avons beaucoup d'affaires, c'est-à-dire beaucoup d'affaires, oui. Beaucoup. Oui, beaucoup d'argent. Mais on demande l'argent avant maintenant, hein. Oui. Alors, pour ça, voyez ça directement avec le commandant et le procureur. Oui, bah tiens, on va s'occuper du procureur. C'est eux qui ont pris la décision de faire ça comme ça. Mais c'est pas, voilà. C'est pas possible, le procureur, il est procureur. On s'occupe du procureur immédiatement, je l'appelle immédiatement. Oui, mais le procureur, est-ce qu'on peut s'occuper de l'individu qui est dans la cellule? On va s'en occuper immédiatement, monsieur. J'appelle le procureur et croyez-moi, le son de ma voix va être très opportun. Les mots sont durs, monsieur. Les mots sont durs, les mots mais, sont les, mots durs, sont mais les mots vont être justes. Ça stonne, mais oui. Ça ne répond pas. Et rappelle-le. Je ne lâche pas l'affaire. Je laisse sonner jusqu'à temps qu'il décroche. Il a vu votre nom sur le téléphone, il va jamais répondre. Hein. Oui, est-ce que vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît, monsieur? Oui, mais ça serait bien qu'il s'improvise pas juge ni auxiliaire de justice. Oui, pas et mal. Encore chacun moins. Chacun a sa place dans cette ville, s'il vous plaît. Oui, et puis il décroche au téléphone quand on l'appelle. C'est pas professionnel. Vous voulez que je l'appelle? Oui, appelez-le. C'est quoi son numéro? Procureur. Bon, bah, je n'ai pas son numéro, moi, au procureur. Donne-lui, Sterling. Donne-lui le numéro du procureur. Le proc. Il va l'appeler. Il va là. Allô, monsieur le procureur. Ah, le fils de. Il répond pas. Oui, j'allais m'énerver.
j'ai voyé les mots aller sortir. Oui, les mots aller sortir. Je suis passé dans la ruelle et elle a acheté un richard. Allons nous occuper du prisonnier et après on s'occupe de Ricky Mar. On a beaucoup beaucoup de clients. Moi je l'ai même pas vu. Il est où Ricky? Bon, qu'est-ce que t'as fait à droite. Eh ben justement, j'aimerais bien le savoir. Hein. Oui. Le motif d'arrêt, c'est mandat d'arrêt. Non, monsieur, vous pouvez nous laisser peut-être. Nous ouais, désolé. Nous vous appelons. Ben oui. ouais, laissez-nous, là, laissez-nous respirer. Déjà oui, qu'on est à la brésil. Pardon, désolé. Bon, bah écoutez, déjà, je tiens à vous remercier pour la dernière fois. Attendez, parce qu'ils comprennent pas le principe de partir, je pense. Monsieur. Ils ne t'entendent pas, Sterling. Crois-moi, je vous entends. Ouais. Il faut partir, monsieur. Je vous entendais pas, mais ok, pas de soucis. Désolé. Je préfère ne pas vous voir. Oui, dites-nous alors. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Allons droit au but. Ah ouais, non, mais on va aller droit au but parce que cette fois-ci, c'est vraiment rien passé. Moi-même, je suis confus, je sais même pas pourquoi je suis là. Je me baladais tranquillement sur ma cliffhanger, là, en ville, d'accord. À une vive allure, on est d'accord. Vive allure, sans casque. Oh, ok, bon, ça, c'est... Pourquoi il y a un mandat d'arrêt sur vous, monsieur? Mais justement, j'ai demandé quel est le motif... Eh ben, on va demander, bougez pas. Course-poursuite, ils ont tenté de s'enfuir par bateau. Et ils ont fait feu sur les agents. Encore cette histoire de bateau, dites donc. C'est toujours l'histoire du bateau. Là, c'est problématique. Ah, non, c'est une histoire de bateau qui remonte à un moment, ça. Il y a eu encore une autre prise d'otage. C'est une non, prise d'otage c'était au début du mois, il y a eu ça, en gros. Ils ont essayé de prendre la fuite à port d'arrêt. Oui, non, mais le mandat d'arrêt émis, c'est par rapport à cette histoire. Oui, c'est par rapport à cette histoire. Ouais. Et bah voilà, bah, il était sur son bateau. On a déjà expliqué la dernière fois. Pourquoi on recommence? Je ne sais pas, Sterling. Je crois que la police est confuse à cette affaire. Je ne crois pas qu'on parle absolument de la même affaire puisqu'ils ont pris la fuite de l'hôpital. Qui? Bah, lui et deux de ses collègues. Mais il a déjà été arrêté pour cette histoire de bateau. Et il est sorti légalement. Oui, vous vous embrouillez là, j'ai l'impression. Je passe ma vie dans ce poste, je vais péter mon crâne. Oui, je comprends. Je vous comprends parfaitement. Il faut contacter 50, je crois. Ouais. Je pense qu'en fait, vous l'avez arrêté pour rien, messieurs. Oui, tu peux venir au poste gérer l'histoire de Ricky Spanish parce qu'apparemment, le mandat d'arrêt. Pourquoi on l'a chopé tout simplement, ça a déjà été réglé apparemment. C'est pas fou. Vous avez pas besoin de discuter avec votre client? Notre client va bien, monsieur. On va trouver pour en l'arrêter, hein. C'est juste une question. Oui, bien sûr, mais j'imagine. Mon petit Sterling, de toute façon, c'est de toute évidence, c'est une affaire déjà réglée. Rendement mené. Nous avons deux clients qui nous attendent, dont l'histoire de Lewis. Vous y allez là? Oui, c'est réglé. Il doit sortir, ce monsieur, en fait. Il est là pour rien. Bah, en fait, il a appelé le commandant suprême là pour venir vous renseigner, mais on n'est pas loin, de toute façon. On va avoir deux clients, vous nous tenez au courant. C'est ce que j'allais dire. Ok. Pas de soucis, allez. Ça marche. Il va bien, vous allez bien. Très bonne soirée à vous. Ouais, c'est bon, ça va. Dans les gens recherchés, en fait. Alors, il faut le libérer. Par contre, faut le libérer, bah non. Attendez. Il faut qu'on attende le capitaine suprême. Je demande confirmation, mon commandant. Ah non, mais on sait les affaires qu'on règle et cette affaire. Prenez vos affaires, monsieur, vous sortez. En attendant, négatif. En attendant, monsieur les avocats. On sait, c'est réglé. On n'a pas sorti à l'extérieur. Vous le gardez, puis il y a dommage et intérêt. Non, négatif. Criez pas. Négatif. Ah, je connais la loi, monsieur. Nous connaissons la loi, monsieur. Spanish, s'il vous plaît, restez juste dans votre cellule, d'accord? Je demandais confirmation à mon supérieur. Alors, ensuite, tu n'auras pas de démêlés. Code rouge écarlate, ah bah dis donc, ça faisait longtemps. Ah, c'est comme si j'ai excusez-moi. Je vous l'ai dit, monsieur Spanish, mandat d'arrêt, j'ai pas plus d'infos que vous. Oui, mais mandat d'arrêt, c'est pas un motif en fait. Je n'ai pas plus d'infos que vous, monsieur Spanish. Mandat d'arrêt. Bon, je vais juste demander à mon supérieur. Si je peux me permettre, un mandat doit être prononcé et annoncé. Oui, on connaît la loi, ils connaissent la loi, nous connaissons la loi. Juste rester, il n'y aura pas de problème. Mais non, mais ça, c'est ce qu'on appelle une arrêt. Arbitraire, c'est très grave. Pas du tout arbitraire, monsieur. Si, la preuve, vous savez pas pourquoi il est arrêté, monsieur. L'individu. Mais on va savoir. On sait pourquoi il a été arrêté, mais c'est l'histoire ancienne et on l'a fait sortir. L'individu est actuellement recherché. Je n'ai pas plus d'infos que vous. Je suis simplement au courant que l'individu est recherché et qu'il est. Qui a émis ce mandat d'arrêt, monsieur? J'en ai pas la main. Et qui êtes-vous? Et qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous, monsieur? Attendez, venez ça. Non, mais vous n'avez pas la même tenue, c'est terrible. Je comprends pas. Vous êtes en jaune et lui il est en blanc. Alors, monsieur, je vous explique. Je me présente. Vous avez une jeune. Officier de. Agent 29, d'accord. Je suis officier de agent, ça n'existe pas, ça, monsieur, comme grade. Officier de la loi, monsieur, agent. Attention à et officier de agent n'existe pas, monsieur. Officier de ou agent 29, comme vous voulez. Officier 2 ou agent 29, oh, ça fait bref, on s'en fout, c'est pas le. Mais non, on s'en fout pas, c'est important, les détails. Et bah, comme vous voulez, bah 29, c'est nous très sommes bien. Avocats, nous connaissons la loi. Nous sommes avocats, monsieur, gardez votre cam, on vous prie de garder votre cam. Respectons la loi. Vous semblez vous énerver pour rien, monsieur. En attendant, moi c'est 29, je l'ai arrêté l'individu, d'accord. L'individu est actuellement recherché, d'accord. Mais pourquoi, monsieur? Je n'ai pas plus d'informations. Là, la question que là. Vous. Là, la question. Je n'ai pas plus d'informations. Vous n'allez rien faire à part rentrer au parking. Je n'ai pas plus. Je n'ai pas plus d'informations que
que vous, d'accord, j'attends mon supérieur. Et votre supérieur, dans combien de temps il donne des nouvelles? Je n'en ai pas la moindre idée, je vais l'appeler de suite. Mais vous êtes au courant qu'une arrestation pour rien... C'est arbitraire et oui. Ça peut se retourner contre vous. Oui, bah oui, c'est vrai oui. Que nous demander des c'est points. Pas du tout arbitraire, étant donné que l'individu est actuellement... Oui, mais quel est le mandat d'arrêt? Vous pouvez nous le lire, monsieur. Je n'ai pas le mandat d'arrêt. Bref, ah, messieurs. j'ai le mandat, c'est bon, je l'ai. Bon, dites donc. Là, je l'ai, là, c'est bon. Attendez, suivez-nous, enfin, suivez-moi, ça va être plus simple à faire ça dans un bureau. Alors, attendez, oui, mais je sens que Sterling, le mandat, c'est déjà réglé normalement. Oui. C'est attends. Déjà réglé cette histoire? Mais bien sûr, il est déjà été en prison pour le bateau. Venez, on va lire le mandat, je vous fais une lecture. Oui, on va faire une lecture. Sur décision de monsieur le procureur et du pôle justice. Ah, mais hé! J'ai pas mais réussi, lui, on va le. Voilà. Je suis en train de lire le mandat, je vais lire. Ah, bah attendez, bah dites-nous, monsieur le capitaine. Qu'ils aillent se faire foutre dans la radio. On est pas d'accord. Oui, vous l'avez. Ah, perquisition dans le cadre d'une enquête pour prise d'otage. Mais oui, perquisition, c'est une perquisition. C'est pas une perquisition, ça. Ça avait déjà été fait, tout ça. Là, le truc, c'est que si le fait qu'il ait fait la prise d'otage sur 20, qu'il ait aussi eu. Comment dire ? Il faut le prouver. Non, écoutez, c'est encore le procureur. Ça avait été prouvé. Il avait donné l'ordre ? Non, écoutez-moi jusqu'à la fin. Il avait été à l'hôpital, ils avaient été extraits à l'hôpital du Nord, ok, ils se sont enfuis. Apparemment, non, ils se sont enfuis, ils faisaient du bateau. Là, ça y a pas de problème. Du coup, je vais le relâcher tout simplement. Voilà. Ok. Ah bah, ouais, on fait ça. Voilà. Allez, c'est une belle 90. Ramène-la. Et le procureur, dites-lui qu'on va lui parler au procureur. On va lui tirer les oreilles. Okay, ça marche. Commence un petit peu à nous les briser. Mais dites-leur que vous avez bien négocié, comme ça, il vous donne des sous. Oui, non, le procureur, il nous donnera rien. C'est un con. Alors attendez. Vous avez bien des avocats. Tu te tais, Ricky. Parlez pas. Me faites pas perdre mon temps. Parlez pas. La police est embêtée. L'homme avec son bouc proéminent a raison. Oui, c'est le chef. Vous l'écoutez, messieurs. De quoi, monsieur? Oui, il y a une personne dans cellule qui a besoin d'avocat. Après votre affaire là actuelle, est-ce que j'aurais besoin d'un avocat? Est-ce qu'il fait partie d'un gang, monsieur? Alors là, je vais pas du tout questionner, je vais pas du tout parler. Demandez-lui s'il a du budget. Vous irez lui parler tout à l'heure. C'est d'abord, oui, je vous demande si vous êtes disponible et après, on verra avec vous. Allez, on finit vite fait, c'est bon. Voilà, bon du coup, Ricky Spani, je vous laisse voir avec vos avocats leurs honoraires parce que là. Je vous rends la tenue là. Ah ouais, rendez-le moi. Mais là, en tout cas, sachez que les avocats, ils vous ont sauvé le cul parce que là, c'était perpète. Mais perpète de quoi? Ricky, ça suffit, Ricky, c'était perpète. Je peux pas vous dire, mais. Il peut pas en dire trop, mais on vous a encore sauvé. Là, c'était perpète, là. Allons-y, Ricky, venez. Bon, allez, je la laisse là, la tenue, elle est très bien ici, allez. Voilà, Ricky, il faut sortir maintenant. Allez, Ricky, il faut partir, s'il vous plaît. Il y en a de la chance, Ricky. Vous mettrez le manteau dehors, monsieur Ricky. Oui, dehors, Ricky. Il fait pas si froid que ça. On vous emmène au distributeur, monsieur. Oui, on vous emmène au distributeur, Ricky. Moi j'aurais bien voulu avoir des avocats. Bah si vous voulez, je vous dépose si vous voulez. Oui, déposez-nous. Allez, on va prendre l'avocat. J'ai besoin de vous, monsieur les avocats, s'il vous plaît. Oui, mais faut qu'on règle nos articles. Ouais, faut finir l'affaire là, je crois. Ok, je peux avoir vos numéros, s'il vous plaît. On clôt l'affaire. Vos numéros. 5733. Allez, j'aurais besoin de vous vraiment, genre juste après que vous finissez ça, vous venez, ok? Oui. Allez, Ricky, rentrez dans la voiture. Ok, merci. Monsieur Ricky, venez. Allez. Faut rentrer, les coupeurs. Oui, mais attends, toujours en arrière. C'est mes habitudes, toujours en deux fois. Je comprends. Okay, il n'est pas habitué. Les 200 000 $ là pour les avocats, ils sont quoi, pardon? Oh, j'ai reçu un message. Non, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas 200 000 $. Non. Oh putain, c'est pas cher, parce que moi la dernière fois, pour un truc comme ça, l'avocat il avait pris 200 000. Oui, mais l'avocat. Mais nous ne sommes pas des arnaqueurs, monsieur. Mais par contre, nous pouvons emmener votre avocat, si vous voulez, au gros barreau. Et au barreau. Ah. Il a le barreau, mon avocat, c'est ça que vous dites? Non, qui est votre avocat, monsieur? C'était monsieur Rinstein, il s'appelait. Il est bon, allez, je vous laisse là. On va l'arrêter. Bon, allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Très vite, en tout cas, merci. Bon boulot à vous, les avocats. Vous avez évité une. Mais c'est vous. Allez. Bon boulot à vous. Bon, Ricky. Qu'est-ce qui va se. Attendez. On s'est battu. On a trouvé des vices de procédure partout. On a dû faire appel aux articles 24 et 44 du code pénal. Excusez-moi. Là, en même pas l'espace de 10 minutes, je me suis retrouvé sur une moto. Parking central, cellule et dehors, là, libéré. Ah, mais c'est le jour et la nuit. Parce qu'on est Sterling Cooper. Là, je comprends plus rien, putain! Non, mais allez au distributeur, monsieur! Oui, il faut nous payer par contre pour cette affaire. On en a marre de ne pas être payé, monsieur. Vous remettez en doute ma parole là, alors que la première affaire, je vous ai grassement payé? Ah, mais non, mais c'est oui, non, mais on remet rien en doute, monsieur. Alors maintenant, avant de vous payer, je veux des explications. Pourquoi j'ai été arrêté? Quel est le mandat? Vous avez. Alors écoutez, le procureur a demandé votre exécution. Voilà, en gros. En fait, c'était personnel, mais ça tenait pas juridiquement. Voilà. C'est donc le procureur qui a demandé. Et moi, le procureur, on va s'en occuper. Et le procureur, il commence à nous casser les couilles. Mais vu que ça on va lui dire nous, parce qu'on connaît la loi, mais on connaît la rue, monsieur. D'accord, donc là, si je comprends bien, l'agent 29 m'a arrêté sous ordre de l'agent 50. Non, du procureur. Du procureur, monsieur. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, c'est sous l'agent 50. Oui, mais l'agent 50 a reçu
sous les ordres du procureur. Du procureur, d'accord. Qu'est-ce qu'il me fait ce procureur? Je vais rien faire. On ne sait pas, on ne sait pas. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Liste de procédure, on vous a fait sortir. Monsieur, pouvez-vous nous payer quand on gère les autres affaires, s'il vous plaît? Oui, parce que là, on a plein d'affaires, monsieur Spanish. Allez, donnez-moi l'argent. Donnez-nous combien vous bon vous semble, mais soyez généreux quand même. Oui, soyez généreux. Est-ce que j'étais généreux la première fois déjà? Oui, c'est vrai, c'est vrai. 10 000 chacun, c'était bien. Bon, peut-être 15 000, hein, sterling, pour ce temps perdu. Oui, c'est vrai que surtout avec un vice de procédure contre un procureur, ça va engendrer des frais. Ça va nous coûter cher encore. Alors là, excusez-moi, moi je suis pas très riche en ce moment, mais bon, c'est tout ce que je peux faire, hein, je vous donne ça. C'est bien parce que. Oui, c'est très bien, c'est parfait. C'est bien parce qu'on a des amis communs. Hein. Oui, oui, voilà, tout à fait. Je vais mettre ça en banque. C'est parfait, monsieur, c'est parfait, merci beaucoup. J'ai comme l'impression que je me suis fait enculer dans ces histoires-là. Oh, ne dites pas ça. Non, croyez-moi, vous avez été évité. Nous sommes des avocats honnêtes, monsieur. Nous sommes des avocats honnêtes, et d'ailleurs, dès que vous avez besoin de nous, on a toujours été là, monsieur. Non, mais là sincèrement, j'ai absolument rien compris. C'est le procureur qui veut voter, en fait. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Mais je sais pas, il vous déteste. On va s'en occuper. On va s'en occuper, monsieur. Besoin d'un numéro d'avocat. Je vais porter plainte, hein. C'est pas vrai. Bon, allons au commissariat. Mais moi, je vais porter plainte. Bien sûr, bah, portez plainte, on vous invite. Ah ouais, maintenant, il nous dépose là l'air de rien. Oh là là, flemme de marcher. Bon, écoutez, monsieur, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Vous voulez que j'aille chercher? Oui, monsieur. Et maître Cooper. Oui, pouvez-vous venir devant le commissariat, monsieur? Tout de suite. À tout de suite. Mais pourquoi il me dit que j'ai pas autant d'argent alors que j'ai 10 000? Fais un effort, on a beaucoup de choses à faire. Et je fais un effort, c'est la machine à l'écaisse. Tu risques rien de toute façon. On est avocat, non, c'est bon, ça a été mis dedans. Ben voilà, allez, il faut qu'on se paye, il faut que les autres nous payent pour la dernière fois aussi. Maître Cooper. Oui, c'est ça, bonjour. Oui, monsieur. Oui, Maître Sterling Cooper, avocat gros barreau, monsieur. Ah, enchanté, monsieur. J'ai été recommandé par un huissier du gouvernement. On m'a dit que c'était à vous que j'avais affaire si je cherchais les meilleurs avocats de la ville. Oh, oui, c'est vrai, il n'a pas tort, Vous avez des bureaux ou on fait ça à la rapidos? Oh, à la rapidos, c'est pas mal. Oui, rapidos, c'est ouais, rapide. Okay, bon, voilà, c'est juste pour vous présenter rapidement. Ah bah ouais, bravo la police. Bah, c'est notre voiture, ça. Attendez, on va monter la police, attention. Waouh. Monsieur, on va vous demander de nous rembourser les frais de notre véhicule. Allez-y, oh, j'ai le temps, allez-y. Excusez-moi. Qu'avez-vous fait là, oui. Monsieur? Oui. Vous venez de rentrer dans notre véhicule, monsieur. Monsieur, vous allez bien? Monsieur. Je suis au Comico. Monsieur, vous payez maintenant. Oui, je vais payer. Vous pouvez me laisser un peu de temps, s'il vous plaît? Oui, on peut vous laisser, mais faites-le. Bah, enfin, vous venez de rentrer dans un véhicule d'auxiliaire de justice, monsieur. On vous laisse un peu de temps, je vous paye les réponses. Vous êtes en état d'ébriété, monsieur. Tenez, monsieur. C'est vrai que 2000... je sens l'alcool d'ici, moi, personnellement. 2000 chacun, monsieur. Ah, mais j'ai que ça sur moi, monsieur. Il va falloir faire une réclamation auprès de vos supérieurs, monsieur. C'est l'Espidi qui doit payer, hein. C'est pas vous avec votre argent propre, monsieur. Écoutez, je... Vous êtes qui? Vous êtes qui? Nous sommes la loi, monsieur. Nous sommes Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Le gros barreau, le gros barreau de la justice. Ok. Bah écoutez, de toute façon, vous êtes souvent ici, non? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bah, écoutez, monsieur l'avocat, monsieur Sterling, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est monsieur j'aurais Cooper. Besoin de vous, monsieur Cooper, ok. J'aurais besoin de vous, commissariat, s'il vous plaît. Nous sommes au commissariat, là. Nous parlons affaire avec un potentiel client et nous sommes à vous après. Ok, parfait. À très vite. Eh ben, dis donc, cette ville, hein, assez terrible. Ouais, alors, monsieur, excusez-nous. Non, pas de problème. Oui, je m'appelle monsieur Gordon. Je suis le nouveau conservateur des œuvres d'art de l'hôtel de la ville. Bien sûr, enchanté, monsieur. Enchanté. Et, bah, vous savez, les œuvres d'art attirent les gens riches qui aiment placer leur argent discrètement. Bien sûr. Et parfois, c'est vu comme, vous voyez, la frontière est mince entre un bon investisseur et quelqu'un qui cacherait du pain, qui blanchirait oui, de l'argent. Oui, bien sûr. La décoloration de l'argent, je connais bien. Tout, oui. Vous voyez bien, voilà l'idée. Et alors, moi, ce qui m'arrangerait beaucoup, c'est d'avoir un avocat, ou même mieux une paire d'avocats, capable de me défendre d'accusations potentielle Eh ben écoutez, Écoutez, au cas où il y aurait un litige envers les forces de l'ordre, vous nous contactez et nous interviendrons aussi vite que possible. Voulez-vous faire un forfait par semaine, monsieur, comme le banquier? On fera ça au moment de la première affaire, si oui, vous voulez. Bien sûr. Bien sûr. Vous n'avez rien contre, comment formuler ça, les plans B, la gentille malice, disons, hein. Pas attention, on parle pas. Tu as compris, Cooper? Oui, j'ai compris, Sterling. Et toi, Sterling? Oui, je pense avoir compris. Ah, non, bien. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je sais quel numéro appeler en cas de besoin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps. C'est nous qui vous remercions, bien, monsieur. Soyez prudents. C'est promis. À bientôt. Hein. Et venez visiter l'hôtel à l'occasion, vous verrez, c'est magnifique. Pourquoi pas? C'est très aimable à vous, monsieur. À très bientôt. Très belle voiture. Très belle voiture. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, allons-y, on nous attend. En tout cas, si on le fait payer, lui, on le fait casquer. Ah, bah tiens, le procureur. Oh, bah tiens, on se le fait. Laisse-le-moi, Cooper. J'ai déjà mal à la tête, Sterling. Ok, du coup, c'est à cause du taxi, là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Attention, quand même.
Bonjour monsieur, pardon. Comment allez-vous? J'ai ouvert la porte un peu violemment. J'espère que vous venez ici avec de plates excuses. Pardon? Comment ça, des plates excuses? Par rapport au coup que vous venez de me donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé la porte très violemment, sans faire exprès. C'est la porte qui vous a frappé, monsieur. J'étais là, je suis témoin. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir, monsieur. Non, mais déjà, vous allez apprendre à nous respecter un chouïa, monsieur. Négatif, vous voulez quoi? Non, il va falloir nous respecter, nous sommes auxiliaires. Vraiment, il va falloir nous respecter. Écoutez, monsieur les avocats et monsieur le procureur, est-ce qu'on peut régler mon affaire là une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît? Rick Hispanic, donnez-moi vous votre, avez... Rick Hispanic, donnez-moi votre numéro de téléphone en SMS. Oui, monsieur. Monsieur Spanish, vous n'avez pas payé vos impôts. Monsieur Gulliver? Exactement, oui. Mais vous répondez pas à mes appels. Mais vous m'avez pas appelé. Ah si, devant le bénisse, là, vous vous appelez plein de fois, monsieur, il était au téléphone, excusez-moi, je vais pas vous interrompre. J'étais en cellule, monsieur. Et en plus, j'étais en cellule. Voilà, est-ce qu'on peut régler cette affaire? Allô, nous sommes allant à l'accueil avec monsieur le procureur. Parfait, j'arrive vous chercher, monsieur. Alors que j'en ai pas, que je viens pointer alors que j'ai très bien pointé tous les soirs. Il pointe bien. On est d'accord. Et oui. Il me semble que... C'est un pointeur, monsieur. Ah non, quand même, je me permets pas. Ah, vous pointez, monsieur. Vous pointez énormément bien, monsieur. Reconnaissez-le. Comment ça, Je pointe du doigt. Il pointe? En fait, il pointe tous les soirs. Monsieur le procureur, rangez ce téléphone, monsieur. Comment ça ranger deux secondes? Bonjour. Dites-moi. Bonjour, monsieur. Monsieur le procureur, okay, il va falloir commencer à être professionnel, monsieur. Non, je le suis toujours, vous inquiétez pas. Ou démissionner. Monsieur Spanish, vous me permettez de parler avec vos avocats, s'il vous plaît? Allez-y. Merci beaucoup. Donc, je vous demanderai de ne pas faire de réflexion. Continuez, monsieur. Oui, on vous demandera de rester professionnel, monsieur. Vous inquiétez pas, c'est le cas. Donc, continuez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Être professionnel, monsieur. Il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure, s'il vous plaît. Non, mais en gros, vous êtes procureur, monsieur. Oui. Et ben alors, dans ces cas-là, procurez. Et ça s'arrête. Procurez et procurez bien, monsieur. Bah, je procure, vous inquiétez pas pour ça. Non, mais procurez de manière professionnelle, monsieur. Et de manière professionnelle. Vous n'êtes pas auxiliaire de justice. Procurez seulement, c'est très bien, monsieur. Bah, monsieur Montmirail. Monsieur les avocats. Au revoir, monsieur. Oui. Allons-y, s'il vous plaît. Donc, oui, attendez, on parle au procureur, monsieur. Donc, qu'est-ce que je... Dites-moi. Monsieur le procureur, dites-moi. Êtes-vous prêt à procurer, monsieur? Il y a un grave problème dans cette ville, c'est vous, monsieur. Nous contestons... parce que je me contaste... Nous contestons, monsieur, que vous faites preuve dérapage professionnel, monsieur. Savez-vous ce que ça signifie, dérapage professionnel? Alors, allez droit au but, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes procureur, monsieur. Monsieur, on vous parle. Monsieur, je vous écoute. Oui, vous êtes procureur, oui. Soyez professionnel. Donc dites-moi, oui, je suis procureur jusqu'à la preuve du contraire. Et dans ces cas-là, procurez, mais arrêtez-vous là après, d'accord? Oui, arrêtez-vous là, parce que ça va commencer à nous énerver, monsieur, voyez-vous? Mais que ça puisse vous énerver, je suis désolé de vous dire, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, monsieur. Non, mais c'est pas votre commissariat. Oui, non, mais c'est pas... Il faut le comprendre. Restez à votre place, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc... Est-ce que vous avez quelque chose d'utile à me dire? Oui, oui, vraiment. Restez vraiment, restez à votre place. Si vous n'avez rien d'utile à me dire, je vous invite à, dans ce cas-là, aller travailler, messieurs. Non, mais comprenez bien qu'il faut rester professionnel et vous êtes procureur, donc procurez seulement, d'accord? Procurez et restez professionnel et commencez pas à faire n'importe quoi, monsieur. Eh ben, écoutez, je vous remercie de vos conseils. Respirez. Et j'espère bien, parce que la prochaine fois, ça sera devant un juge, monsieur, et ça sera vous. Allô, oui, 06. Ouais, j'ai vu ton message. Et où est le commandant dans ce commissariat? 50, tu peux venir à l'accueil du poste de police, s'il te plaît. Et où est le commandant, monsieur? Un instant. Vous inquiétez pas, il va venir, je l'ai appelé. Je doute que ce soit... Il est à votre botte, c'est ça? Oui, bonsoir. Voilà, donc je vous... Oui, il est à la botte. Oui. Oui, oui donc... vous êtes donc la personne la plus haut placée de ce commissariat. Oui, je vous écoute. Et c'est bien le capitaine derrière, avec ce bobo. Oui. Voilà. Bon, bah, pendant qu'on vous a, monsieur le commandant et monsieur le capitaine, êtes-vous au courant que le procureur n'a en aucun cas possession de ce commissariat, monsieur? Et autorité sur vous, messieurs. Exactement. Le commandant. Il nous donne commandant. Des leçons de droit, donc écoutez bien, s'il vous plaît. Oui, on connaît la loi. Donc vous êtes commandant, restez commandant, mais le procureur doit rester procureur, messieurs. Est-ce que vous connaissez? Écoutez, reste procureur, et le commissariat, lui, il nous donne des directives. Non, il n'a pas à vous donner des directives. Non, mais non, il vous donne pas des directives. Messieurs, il va falloir connaître votre boulot maintenant, hein. Ça commence à devenir embêtant. Il va falloir arrêter de croire que c'est votre patron, hein. Écoutez, on est très bien comme ça, d'accord. Donc je vous remercie avec votre. Oui, mais le procureur, il procure et. Mais j'ai l'impression que vous êtes en... Vous ne faites rien de vos journées, messieurs. J'ai l'impression que vous êtes non, tout le temps là à râler. Non, c'est qu'en fait, on entend parler de vous trop souvent et vous occupez d'affaires. Je vous ai jamais vu dans un tribunal. C'est incroyable. Hein. Jamais. Commencez à faire des jugements avec des avocats, d'ailleurs. Voilà. Bah, le problème, c'est qu'on en fait, mais je vous vois jamais. Donc, et d'ailleurs, monsieur... Et pourtant, vous dites qu'on passe nos journées ici. C'est bizarre, monsieur. Attendez, monsieur
procureur. Vous allez relâcher le monsieur qui est actuellement en fédéral, oui, monsieur Lewis. Car vous négatif, allez faire... il va rester, il va pas. Non, j'ai pas fini, vous m'écoutez, monsieur. Vous l'écoutez très vite. Parce que là, je commence à m'énerver, ça commence à m'agacer avec votre tête de pain bêche, ça commence à me prendre par-dessus la tête. Calme-toi, hein. Pardon, ça m'énerve. Qu'allez-vous faire, monsieur le procureur? Vous allez demander au commandant de nous arrêter, peut-être? Vous croyez qu'il va vous savez ce que c'est qu'un autre travail, monsieur? C'est pas son travail. Écoutez-moi bien. Nous sommes auxiliaires de justice, nous connaissons la loi. Et nous connaissons la loi. Alors, monsieur. Donc, arrêtez de prendre les agents pour vos. D'ailleurs, ils en ont rien à foutre de vous. Oui, ils en ont rien à foutre. Lewis Johnson restera en prison, un point, c'est tout. Merci beaucoup. Mais en fait, mais non, mais non, monsieur, déjà, vous partez pas, m'énervez pas. Sérieusement, m'énervez pas. Monsieur. Je m'en fiche que vous soyez énervé, vous n'avez pas à faire votre loi ici. Il a été condamné à la perpétuité. Il a été condamné par un juge fédéral à la perpétuité. Mais il n'y a pas d'avocat, donc le jugement n'est pas valable, monsieur. Vous comprenez ça? Pas d'avocat, pas de jugement, pas de jugement, pas d'avocat. Ah, attendez, je vais vous appeler le juge. Vous allez discuter avec lui, parce que là. Non, mais il n'y a pas. Est-ce qu'il y avait un avocat au jugement? N'importe quoi, c'est cette ville, hein, ça commence à me casser. Raccroche ton téléphone. Pardon, vous me tutoyez? Oui, j'en ai plus rien à foutre. Eh ben, je vous invite à sortir du poste de police, s'il vous plaît, monsieur. Par contre, ça. Oui, appelez le juge. Je vous donne son numéro, tenez. Appelez-le directement. Est-ce qu'il y avait un avocat lors du jugement, monsieur? Il n'avait pas besoin d'avocat, étant donné que c'était un terroriste. Non, mais. Pardon? 27-52. Oui, bah, autant pour nous. Alors, on redécouvre la loi, c'est intéressant. On la connaît pas si bien que ça, pas. Oui, on la connaît pas si bien que ça, a priori. Monsieur, je pense que vous allez devoir démissionner. L'incompétence fait rage. Bah écoutez, je vous remercie pour vos conseils, mais malheureusement. Oui, mais par contre, il faut arrêter de diriger le commissariat. C'est, parce que c'est pas parce qu'on fourse avec eux dans la loi. Tout ce qui se rapproche d'une dictature, là, monsieur, vous savez. Là. Oui, c'est ça, en fait. Oui, on n'en est pas loin. Merci Ricky, hein, même si vous risquez de finir en prison. Mais Ricky, faites gaffe quand même. Absolument, Ricky, c'est très dommage de se mettre dans une bouise pareille. Hein. C'est une menace, ça, monsieur. Oui, c'est une menace envers notre client. C'est une menace, ça, je note. Bah, notez bien. Bah, sinon, en ce qui me concerne, là, moi j'ai pointé tous les soirs, là. Bah, vous voyez avec la police. Mais vous avez la police. C'était vous, monsieur. Donc, eh bah, non, bah, vu que je suis incompétent, vous allez voir avec la police. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, messieurs, au revoir. Mais du coup, moi je vais voir avec la police et du coup, abandon de poursuite. Non, mais dans un con, je pense que le mot un con, il ne l'a pas compris, malheureusement. Hein. J'aimerais parler à mon client en privé, monsieur Lucie. Oui, il n'y a pas de souci, je sors. On se revoit la prochaine. Hein. Monsieur Ricky, oui, écoutez-moi. Je vais peut-être vous rendre vos 10 000 dollars. Non, gardez-les, ça fait plaisir. Non. Je vais vous mandater pour une mission, monsieur. Ah, d'accord. Voilà, la mission serait qu'un homme habillé en blanc dans cette ville m'énerve éperdument. Ça serait intéressant qu'il soit amené dans un lieu bien perdu, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Que doit-il advenir de cette personne après? Est-ce que cassage de jambes vous dit quelque chose? Voilà, cassage de jambes. Vous connaissez dans la loi? Est-ce que cet article... Ah. Voilà. Est-ce que vous pourrez monter une petite équipe, éventuellement? Écoutez, moi je pense qu'un petit balayage... Partons à l'extérieur, il y a des caméras, c'est ton jeu. Oui, on part. C'est pour ça que je bafouille pour pas qu'on se prenne pour eux. Qu'ils ne parleront pas. Les deux personnes seront habillées en noir, elles ne parleront pas. On ne saura pas qui c'est d'ailleurs. Et arrive avec des battes de baseball pour fracasser un petit peu ce monsieur qui a besoin d'un rappel à la loi. Dites-le d'ailleurs qui pense si bien connaître. Voilà. D'accord. Donc ce serait intéressant si vous aviez des amis à vous qui pourriez alors, organiser. Écoutez, je vois bien le scénario là. Oui. Le scénario, vous êtes l'avocat? C'est que moi je pense que un accident est vite arrivé. Vous, maître Cooper? Oui, on vous a entendu très très loin, vous parlez peut-être un peu trop fort, monsieur. Ouais, je viens de régler mon petit problème parce que je crie trop, je suis un peu énervé. Oui, on comprend. C'est un petit souci là, parce que il y a une de vos collègues, si je peux appeler ça comme ça. Oui, dites voir. Qui a fait un accident avec mon véhicule. C'est qui, quel collègue, monsieur? C'était une femme. C'est maître Lila, c'est pas quoi. On la supporte pas. C'est pas une collègue. Ok, c'est porte plainte contre elle. Oui, bah. Et je voulais voir tes renseignements. N'hésitez pas à porter plainte contre elle. Et si vous avez besoin d'un avocat, normalement, vu que vous portez plainte, vous n'aurez pas besoin de nous. Mais si jamais vous avez besoin d'un avocat, nous sommes là et nous vous aiderons. Et n'hésitez pas, si vous voulez récupérer votre argent, à l'emmener dans un lieu un peu sombre et 2-3 coups de batte de baseball, ça résout l'affaire. Elle est pas gentille à ce point-là? Non, mais elle est totalement con, vous l'avez vu. Oui, elle fonce dans mon véhicule, elle fait un accident, je lui demande qu'elle rembourse, elle veut rien savoir. Eh ben, si la loi ne parle pas, faites parler autre chose, monsieur. Ok, pas de soucis, je vais porter... Ouais, ça va, je vais porter plainte contre une femme. Ok, merci, monsieur. Oui, il y a... Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à me rappeler. Y a pas de souci, si j'ai besoin d'un avocat, je vous appellerai vous. Très parce bien. Que vous êtes très convaincant et on a un point commun, c'est qu'on l'aime pas. Et nous sommes les meilleurs avocats de la ville. Ça, vous pouvez en être. Ok, merci, maître Cooper. Passez une bonne soirée, monsieur. Merci, vous aussi. C'est porté plein contre la femme, là. Et puis tout ça se fera dans le bien-être le plus total, monsieur. Monsieur Sterling, c'est bien ça. Voilà, maître Sterling, maître Sterling. Oui, voilà, vous vous organisez. Alors, on va faire ça. Au boulot, monsieur Sterling. Bonne soirée, monsieur, encore merci pour votre aide. Allez, prenez soin de vous.